Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo, avec mon gorille niveau 100. Enfin, on vient d'arriver au niveau 100, donc petite vidéo de check-up. Je vous avais dit que je reviendrai vous montrer un petit peu comment se passe l'évolution de ce gorille. Donc, il s'est passé que j'ai loupé quand même pas mal de packs. Genre le skin event où j'ai pas pris tous les packs, c'était pas utile. Et donc j'ai pas voulu prendre les packs skin event. Donc il y avait des fragments, quelques fragments quand même. Donc je pense avoir pris un petit retard au niveau des fragments et du behemoth en lui-même. Mais ça va, on arrive à suivre. Et là donc on vient de passer le niveau 102, à presque 103, il me manque un petit peu quelques sérums. Là tout à l'heure en stream on a été prendre des packs boutique, donc on a été prendre full pack boutique pour voir un petit peu ce que ça rapportait. Et ça rapporte énormément, dont il est où le... Alors, celui-là. 650 sérums. Donc les packs bundle, je vous l'ai dit plusieurs fois, ils sont très 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 mauvais. Dont le pack fragment avec 8 fragments au lieu de 36. Et là 40 au lieu de 110. Donc même le pack à 5 balles, on a déjà 60 de haute batterie. Par contre le pack sérum est juste magnifique. 650 pour un pack à 50 euros. Pour vous dire que ça m'aurait rapporté un pack à 50, m'aurait rapporté que... Alors même pas, c'est le pack à 100 balles celui-là. Le pack à 50 me rapporte que 250 sérums. Et le pack à 50 dans la boutique normale, 650 sérums. Ils sont juste magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. 250, 260, 650. Ils sont juste magnifiques. Il manque un pack à 100 balles à 1300 sérums. Ça aurait été juste magnifique. Donc voilà, pack boutique pour les packs sérums. Je vous critiquerai pas si vous critiquerez. Bref, vous m'avez compris. Je viendrai pas vous blâmer si jamais vous les prenez, parce qu'il vaut vraiment le coup. Je les avais pas pris, je les ai pris cette semaine, je les prendrai la semaine prochaine, et encore jusqu'à temps qu'on arrive au niveau 200. Au niveau des compétences, j'ai maxé toutes les compétences disponibles. Il me reste maintenant que les compétences spéciales avec les 3 niveaux à monter. Donc celle-là coûte quand même pas mal chaque niveau. Donc les premiers niveaux sont à 105, mais les derniers niveaux sont à 555 biobatteries pour un niveau. Donc j'ai commencé à monter quelques-unes. On va essayer de finir de les maxer. Là on est au niveau 15, donc on va monter pareil la semaine prochaine avec les packs de la semaine prochaine. Et pareil, on va finir de monter le Dominating Aura. Pour continuer à pouvoir monter ici, il va falloir que je monte mon Cataclysme. Donc c'est là où je vous dis que j'ai un petit retard sur les fragments. Donc il va falloir que je prenne des fragments, parce que vous voyez, à partir de là, je vais pouvoir débloquer ce skill et pouvoir augmenter ses compétences. Pareil ici. Donc on va commencer à faire un petit stock des biobatteries. On va finir celui-là et on va finir celui-là, histoire d'atteindre les 20 skills de débloquer. Comme ça, on va pouvoir monter les 20 skills et avoir la next phase de bonus pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et vous dire comment ça se passe. Voilà. Bon, petite vidéo débriefing de mon behemoth. J'espère que ça vous aura plu. Niveau 102. Et puis, on se retrouve. On reviendra faire une petite vidéo check-up au niveau 150, je pense. Ou quand j'aurai peut-être débloqué la prochaine ligne ou la prochaine compétence. On verra ça. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !